Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu Tiny Tina's Wonderland Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Dear Bob. Et faut-tu les lire ou... Salut Gwen, comment tu vas? Ça va tranquille, merci. Choisissez le pseudo. Réglez la luminosité que le symbole à gauche soit à peine visible. Nouvelle partie. Choisir l'expérience est mieux adaptée à votre style de jeu. Amusez-vous comme bon vous semble. Vous venez pour participer à un bon moment avec des petits personnages imaginaires qui vivent derrière votre écran et pour sauver le monde au passage. Les joueurs infligent 15% de dégâts en plus et en subissent 15% de moins. Vous êtes en quête d'un combat passionnant entre le bien et le mal. Expérience recommandée pour Tiny World. Ouais, équilibré. Choisir un mode de groupe.
précisez la façon dont le butin sera distribué. Tout le monde dans la partie trouve son propre butin, ce qui garantit une récompense après chaque affrontement. Tout le monde dans la partie se partage le butin gagné et doit mériter sa part. Soit être plus rapide que les autres. Un monde aux confins de la galaxie. Un monde forgé par l'imaginaire et régi par le destin. La bataille entre ces forces fait rage depuis la nuit des temps. Le bien et le mal, les méchants et les héros. Un cercle vicieux, un cycle sans fin. L'imaginaire est dominé par une divinité cruelle et imprévisible, mais le destin... Un seul être au monde peut le prendre en main. Un être capable de rédiger sa propre histoire. La main du destin. C'est toi, c'est du lourd. La main du destin, sacrée responsabilité. Franchement, je comprends si tu préfères renoncer maintenant et te terrer dans un coin. Mais sinon, si tu essaies de te montrer digne de porter ce titre, voici une mise en garde que je donne à tous les héros. Ensemble, vous combattez. Et c'est donc ensemble que vous périrez. Coup critique. Les morts vivants s'effondrent sous nos larmes. Eh ouais, pareil. On gère pas trop mal par ici. Niveau lame. Ton heure a sonné, Seigneur Dragon. Crétin. Votre petite troupe ne pourra jamais m'arrêter. Car j'ai déjà... Waouh, vous avez fait vite. C'est bien normal, on est des héros. Moi, c'est Valentine, aventurier vaillant. Et celle qui fout les jetons, c'est Fred. Et l'autre, c'est qui? C'est la Bleuzaille. C'est sa première aventure. Oh, sérieux? Sa figurine n'est même pas entièrement peinte. Ça suffit! On est là pour t'empêcher de voler l'énergie spirituelle. Pauvre fou! J'ai déjà absorbé toute l'énergie spirituelle! Je suis invincible maintenant! Eh hey merde, je suis vraiment désolé. On a raté l'énergie, c'est bête! Vos châteaux brûleront! Les bébés pleureront! Plus que d'habitude, mes armées de squelettes raseront toutes vos terres! Sans mauvais! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attaque! Tous ensemble! Pathétique. Surtout toi, Bleuzaille. Les héros ne sont plus ce qu'ils étaient. C'est l'heure de mourir. Mais alors, quand tout semblait perdu pour nos héros, ils entendirent... un cheval. Un cheval? Ouais, et avec aussi un arc-en-ciel trop stylé, plein de paillettes qui font bling 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 dans nos yeux. C'est étalon du cul. La souveraine la plus belle et la plus majestueuse de ces terres. Attends, on joue à quel jeu, juste? On joue à Bunker et Brutus, ouais, bébé. Et moi, Tina, je suis le maître du bunker, donc c'est moi qui décide. Et je dis qu'une ligne de corne scintillante qui s'appelle l'étalon du cul sauve tout le monde. J'espérais que ce serait à nous de sauver le monde. Ça viendra, Valoche, c'est seulement la mise en place. Maintenant, plus un mot. Place au Seigneur Dragon. Étalon du cul. Tu es peut-être... C'est nouveau qui vient de sortir, Diablo. Majestueuse de toutes ces terres. Mais cette fois, je t'ai eu. Tiny Tinus, Talon du cul, Wonderland. Coule de toutes les épées du monde. La lame des âmes. C'est un spin-off de... C'est un spin-off de Borderland. Attends, je viens juste d'invoquer ces squelettes. Non, 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 non.
Valentine. Et toi aussi, Fred. Et par-dessus tout, je te maudis, toi, Bleuzaille, quel que soit ton vrai nom. Je reviendrai et je débarrasserai enfin le monde de tous ces héros. Ainsi donc, le Seigneur Dragon fut vaincu. Pour le moment. Fin de l'introduction. Vous êtes prêts à faire des jeux de rôle? Ok, pourquoi pas. On est coincé ici, de toute façon, vu qu'une montagne a méchamment attaqué notre vaisseau. Ouais, il s'est planté. Moi, ça me botte, j'adore Bunker et Brutas. J'ai déjà un personnage niveau 50. Non. On crée des nouveaux personnages. C'est la première partie de la Bleuzaille, et je veux m'assurer que son aventure sera inoubliable. Paré, Bleuzaille. On passe aux fiches de perso, Trophion. Bleuzaï, c'est moi. Trucidopathe, assassin, sournois, aimant, des coups critiques. Trapasse climique, denteur de... Les vernes axées sur les dégâts de feu. Défour hommage. Mâche cherchant à lancer constamment des sorts. T'aimes la mort, chasseur d'âmes infligeant des dégâts en sacrifiant sa santé. Proche des champignons, aimant les dégâts à distance. Fan de violence axé sur les dégâts de glace. Je vais prendre quoi, moi? Assassin, sournois, aimant les coups critiques. Les chances de coups critiques de la main du destin augmentent idéal pour les coups de poignard. La main du destin lance une grande épée fantôme qui tournoie sur elle-même, infligeant des dégâts au corps à corps, aux ennemis à proximité en fonction de l'arme au corps à corps. Appuyez sur RB lorsque l'épée fantôme est activée pour qu'elle se téléporte instantanément vers la zone ciblée. La main du destin. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste un gars qui varge, un trucidopathe. On va aller les classiques, tiens. Corps à corps et personnalité, carrément. Et du corps. Et de la tête. Je suis tellement adorable, je me... Avec ça, je risque de faire des jaloux. Je suis tellement adorable. La vache, qu'est-ce que t'es sexy. Carrette, c'est du visage. Raffiné, c'est comme moi ça. Et tabarnak. Ha, 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 ha.
Symétrie des oreilles. Il est pareil comme moi. Ouais, ça, choisir l'histoire du personnage. bon, idiot du village. Quel sex appeal avec votre gueule d'ange, vos muscles saillants, élevé par les elfes, moins raté. Accumulateur en rémission. Pour créer autrefois un monde fantastique, remplissant vos poches de tous les bourgeois. Et toutes les meules de fromage que vous pouviez rafler sur les atteves, vous en avez fini avec la camelote. Et vous intéressez désormais aux instruments de destruction à leur vaisseau. Ouais, on peut faire des femmes, ouais. C'est le nom du joueur. Cassé. Cassé au caribou. Nouvelle quête de découverte. On pose les crayons. Ok. Bon, Valen, je vois.
dessiner ton visage en gros sur toute la scène. Ça dit, dessine ton héros. Et mon héros, c'est moi. Ok. Et Fred, je vois que ton épée de départ inflige 1 000 milliards de dégâts. Oups, pardon, j'ai oublié un zéro. Ok. Changement de programme. Fred et Valentine rament avec un crayon. Alors, j'imagine avec un dé. Du coup, à toi de jouer la bleusaille. Tu es la main du destin. Et ces cruchasses seront tes conseillers. On va dire. Très bien. Je te conseille d'être une brutasse. On est là pour vaincre le mal et se remplir les poches. Je sais que tu me vois comme un modèle. Fais tout comme moi et tu seras une main du destin okay, parfait. Ok, une dernière chose. Bunker et Brutasse est un jeu de rôle, les petits amis. Ça veut dire qu'on tient bien sa voix tout du long. Capiche ? Allez-y ! C'est parti ! J'ai développé mes capacités en semant le chaos toute ma vie. Il est temps de m'attaquer à un vrai défi. Que bon ça. Préparez-vous à entrer dans un monde de fantaisie. Je vois rien du tout. Il faut l'imaginer, tête de nœud. Fermez les yeux et laissez-vous glisser. Vous démarrez dans la vallée roupillante, un coin tranquille du royaume qui ne paie pas de mine, mais qui cache un sombre secret. Vous avez fait un long périple, répondant à l'appel de la reine en personne. La reine ? Qu'est-ce qu'elle peut bien nous vouloir ? Elle a peur que le seigneur dragon se réveille bientôt. Vous devez trouver son tombeau et empêcher son retour. Donc, si je comprends bien, on va lui coller une fessée. Tiens, je te file une fiche avec tes points de vie, une carte et tout et tout. Et votre père est représenté sur une icône en forme de diamant bleu. Suivez-le pour atteindre votre objectif suivant. Si vous êtes trop éloigné. Okay. Là-bas. Bon. C'est sûr que le jeu est beau. En plus, moi, je pense qu'il est adapté au Xbox, pour la Xbox. Le pont est cassé. Si je payais des impôts, j'aurais le seum. La version Xbox Series. Elle nous guide dans notre quête. En effet, bébé, des empreintes de sabots fantomatiques s'enfoncent dans la forêt. Ok. Un arbre abattu vous barre la route. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Je lance identification d'arbre. C'est une espèce appelée Sotus didacticielus. Et bizarrement,
elle pousse uniquement dans cette vallée. Attends bien le volume. Vous remarquez alors la lueur d'un acier tranchant. Une bûcheronne sexy a laissé sa hache dans une souche. Tranchante. Tout ce que je vais pouvoir couper. Pas de tête, bien sûr. Si, des têtes. J'adore les haches. Ça peut fendre le crâne de nos ennemis ou même les tailler en julienne. Hop, hop. L'entrée d'une grotte non loin d'ici est bouchée. Si seulement vous pouviez entrer. Vers la grotte, le plafond se fait de plus en plus bas. Une vraie main du destin sait garder la tête haute et les genoux bas. Je vois plus rien. Ok. C'est ça, muscle tes fessiers. Et si tu cours et que tu t'accroupis, tu feras une glissade de malade et t'auras l'air cool. Marqueur de destin. Vous venez d'activer un marqueur de destin. Si vous mourrez, vous réapparez. Ok. Le monde, c'est combien d'heures de jeu un jeu comme ça? Comprends-vous pourquoi c'est rentré le joystick par en dedans qui... En vrai, ce serait plus facile juste appuyer sur A. Ça, c'était des belles araignées.
finit par supprimer les sanctuaires. Eh ouais, la reine régnait déjà sur le royaume quand j'étais encore qu'une noob, comme vous. Elle a prédit votre arrivée et vous a laissé une arme ultra puissante. Une arme digne d'une main du destin. Ok. C'est un flingue! Il me rappelle un peu ma grand-mère, vieux et usé, mais toujours capable de poussiérer. Attends, il y a des flingues dans la fantasy? T'es dans le monde de Tina, bébé! Le sol s'élève sous vos pieds. Vous apercevez un village tout rikiki, confortablement niché dans le creux accueillant de la vallée. Mais derrière lui, un vieux château en ruine inquiétant vous inquiète. Si je devais enfermer un seigneur dragon, ce serait dans une ruine qui ne paye pas de mine, comme ce château. Okay. Comment je refais pour revenir à la hache? Je sais pas si on peut sauter en bas. Ok, la hache, c'est comme ça, je viens de comprendre. Je vais pas vite là-dessus. Si je saute en bas, je meurs-tu? Non. Butin tout en haut de la tour. Allons le piller. Je suis Ribula, fidèle serviteur du seigneur dragon. Dites-moi où se trouve son tombeau, ou je vous transforme aussi en squelette. J'en sais rien. Je vous jure sur la queue en diamant de la reine. Mensonge, je vais vous squeletter. Dispersez-vous, mes morts vivants. Nous devons trouver nos maîtres. Okay.
Capacité. Vous avez obtenu un premier bouclier. Les dégâts subissent. On vous en met un bobo. Ok. 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 On pouvait dire, ben, c'est pas une, ça accorde, je crois pas. La corde est plus bonne, hein, ça a rien donné. Au pire, mais non. Ok. Non, impossible. À moins d'avoir des explosifs. Et... Oh. Victoire! J'ai toujours cru en nous. Un peu plus loin, vous entendez le crépitement d'un feu violent et un claqui-claquou de gros os. On est là pour sauver le village. C'est là qu'on était tantôt. Avant que je me saute en bas. Là. Saccagé par une horde de squelettes. On est là pour venger le village. Oh merde, la tête que t'as faite. You look, m'a tiré. Okay.
Et où ça? Félicitations, vous avez gagné un niveau. Vous venez de débloquer votre première compétence d'action. Pour équiper cette compétence, appuyez sur et ouvrez le menu des compétences pour consulter votre arbre. Une fois équipé, utilisez-la avec RB. Vous obtenez un point de compétence, un point d'héroïsme chaque fois que vous montez de niveau. Ces derniers peuvent être investis dans les améliorations depuis ce même menu. Les compétences. Gagnez un niveau régénère. Par ailleurs, instantanément votre santé et votre bouclier et place un bonbon à la menthe dans votre bouche dans la limite des stocks disponibles. Et voilà, comme attendu. Une seule villageoise a survécu au carnage, mais elle a l'air à deux doigts de clamser. Allons sauver cette pécore. D'avoir sauvé la pécore que je suis. Comment puis-je vous remercier? Ça me coûte de refuser une récompense, mais j'ai une quête sur le feu. Je dois empêcher le retour du Seigneur Dragon. Tu es la main du destin. Je savais que la reine nous enverrait quelqu'un. La tombe se trouve dans la crypte en dessous du château de Vif Aigreur. Fais vite, avant que ses sbires ne la trouvent. Le tombeau est dans une crypte? C'est la cachette idéale. Que les faveurs de la reine vous soutiennent dans votre noble quête. Ouh, mon coccyx de pécore me fait du cerf. Mon coccyx de quoi? C'est-à-dire quoi, pécore? Ah. Pas des mots qu'on utilise. Qui a exploré les 20 faces du monde. Tu as flotté telle la feuille au gré des vents de l'Ouesh. Tu as affronté un Baldrog dans les mines de la Morora. Ce n'est pas parce que tu as pris ta retraite dans ce village reculé que tu es rouillé. Si tu parviens de nouveau à maîtriser ce sort de glace, le reste devrait te revenir naturellement. C'est ce que vous pouvez consulter votre butin. Emparez vos objets, choisissez votre équipement si vous avez des chiffres de votre menu. Les objets équipés peuvent être sélectionnés pour changer d'arme ou d'équipement. Choisissez un emplacement et les objets compatibles de votre sac. Cadeau seront mis en évidence. Sac à dos est trié. Okay. Les filtres en haut du menu vous permettent de trier les objets de votre sac à dos. N'oubliez pas de différencier la camelote de vos objets préférés pour rapidement identifier les cochonneries. Pour amateurs, des trésors irremplaçables. Les fenêtres de munitions indiquent le nombre de munitions possédées pour chaque type d'arme. Les sorts se rechargent automatiquement et n'ont pas besoin de... Ok. Voici que vous dépensez tous les points. C'est ici plutôt. Les compétences et d'héroïsme durant sûrement gagné pour développer votre main du destin. Ici, vous pouvez choisir votre première compétence dès le niveau 2. Vous en débloquerez d'autres
par la suite, auquel cas vous pourrez revenir à cet écran pour en changer. Dépensez des points de compétences pour débloquer des bonus passifs pour votre classe. Ces compétences passives ont une grande influence sur votre style de jeu et chaque classe est unique. Dépenser des points d'héroïsme ici pour continuer à développer vos statistiques héroïques. Faites-en ce que vous semble, de toute façon, c'est la tina d'équilibre de jeu. Chaque classe est accompagnée d'une puissante capacité passive appelée exploit. Vous les débloquerez très tôt dans l'histoire et elles resteront actives. Tant que leur classe sera équipée, pas besoin de dépenser des points. Plus tard dans la campagne, vous aurez la possibilité de choisir une classe secondaire, alors à bientôt. Les dégâts à corps à corps, la vitesse d'attaque au corps à corps, les dégâts élémentaux augmentent la durée des effets élémentaux, la vitesse de déplacement. Action pendant vos chances de survie. Soit vous n'avez pas de supporter le coup de poing. Ça, on verra, je suis pas pressé. Donc le plan, c'est de rester là à se tourner les pouces. Cool, 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 cool. Bon bah du coup, le plan marche du tonnerre. La carte vous permet d'en apprendre plus sur votre environnement et de constituer des points d'intérêt à noter également que vous serez probablement perdu sans elle. Mettez un point d'intérêt de la carte en évidence en plaçant votre curseur sur son icône. Des informations sur le point d'intérêt sélectionné apparaissent dans les fenêtres d'information. Les stations de voyage éclair découvertes dans la zone actuelle s'affichent ici. Pas besoin de faire un stop pour vous y rendre. Sélectionnez une à tous les moments et maintenez A. C'est ici que vous pouvez consulter des notes de vos aventures à travers le royaume parce que les meilleurs joueurs de Bunker, Imbrutas, prennent forcément une montagne de notes. Voici votre journal de quête où vous trouverez vos quêtes en cours et celles que vous avez terminées. Cet onglet affiche votre progression dans les sanctuaires et les autres défis de la campagne qui vous octroie depuis son bonus. Terminez-les tous. L'onglet des parchemins vous permet de consulter à nouveau tous les messages trouvés dans le cas où quelqu'un aurait éternué très fort dans votre oreille la première fois. Fouillez les ruines du château, ouvrez la porte, utilisez votre compétence d'action. Vous êtes pris dans une passionnante partie de Bunker Brutas avec vos amis Valentine et Fred. Sans oublier la très instable Tina comme maître du bunker. Elle a créé un royaume entier que vous pouvez explorer et piller en tant que main du destin. C'est à vous. Il est incomble de sauver les seigneurs dragons. Et sur le point de se réveiller. Et vous seul pouvez l'arrêter. Ok. La vitesse d'attaque. Les dégâts corps à corps augmentent.
veut dire là-bas, quand on pose correct. Ah, toi, tu feras pas de gueule. Ou toi, je t'entends crier, hein? Puissance, c'est presque indécent. Mais ça reste décent, comme tout. Voler. Bon. Ça ressemble-tu aux autres jeux que tu jouais ou c'est un peu mieux niveau graphique ou sensiblement la même chose que le 3? Les graphiques sur la... Ouais, je viens de voir que ça représente pas la réalité. Je regarde sur l'ordi, c'est... Des squelettes, donc. Eh ouais, ma poule. Je vois que rien t'échappe.
avez plusieurs armes, vous pouvez passer de l'une à l'autre histoire de donner du piment au combat. C'est Y pour changer d'arme. Je pourrais être maître du bunker après cette quête. J'ai une campagne en tête, à base d'orques et de... bisous. Non. J'en ai râlé mes chemouches de jouer, ok? Mais t'inquiète, j'ai encore tout un tas d'aventures qui fourmillent dans mes papilles. Il y a beaucoup de coffres, hein? Ah, qu'est-ce que c'est ça? Les dés de la... Ah, c'est pas... Pour trouver des dés de la chance. J'ai lu là-dessus tantôt des... Pour avoir du meilleur loot, je pense. De la lignée est assis sur son trône moisi, un vieux livre de sorts entre ses mains osseuses, attendant un destin jamais le vin. Dis donc, c'est bien dark. J'adore. Chope le bouquin. Bon. Vous avez trouvé votre premier sort. Vous lancez un sort. Vous pouvez maintenant lancer le sort de glace qu'il contient. La magie de... Je l'équipe où, voilà. Ça? La
rentre dans la crypte. Je me rends compte. Il y a une entrée dans le coin. C'est caché, 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 caché. Le sort s'acharne. Je mourrai d'envie de te battre. Le plancher de la salle du trône a l'air pourri et vermoulu. Ah, c'est ça. Ben, je montais là tantôt, là, je vais faire tomber la lumière. Faut que je monte en haut, là, mais je vais y aller pour le plaisir. Voyons. Brisé. Vous vous enfoncez dans les profondeurs du château et l'air sec de la crypte pénètre vos narines. Ça sent la vieille pierre et les secrets enfouis. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu. Tiny Tina's Wonderland. Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!